elles ont couché avec des revenants. L'histoire m'a été racontée par une de mes abonnées qui, elle, était parmi les filles. Donc, je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Si tu as une histoire mystique à raconter, envoie ton histoire numéro à l'écran sur le +237 655 81 90 17. Et on va juste sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00, 6 histoires. Donc, on va écouter l'histoire si attentivement. Laissez un like, ça ne coûte rien. Encouragez-nous, un like. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Voilà, donc écoutons l'histoire. Bonsoir DMG TV, bonsoir la famille. L'histoire que je vais vous raconter me concerne moi-même personnellement. Il faut souligner que moi, je viens d'une famille modeste qui n'est pas pauvre, qui n'est pas non plus riche. Et de toute mon enfance jusqu'à maintenant, je n'ai vraiment rien manqué. Je n'ai rien manqué. Mes parents se sont bien occupés de moi. Et il faut dire que en 2017-2016, j'avais un groupe d'amis qui faisaient des trucs pas catholiques. Qui sautaient les nuits, qui se promenaient, qui fumaient et tout. Donc, je me suis lancée dedans. Il faut souligner qu'à cette époque aussi, je ne connaissais pas encore les hommes. Mais je sautais carrément, comme on dit, il y a un show ici. Hop, je suis avec ma copine ici. Et il y a mon père qui m'a fait asseoir, qui me dit que ton attitude, vraiment, c'est pas chez moi. Soit tu changes, soit je te fous à la porte. J'ai persisté jusqu'à ce qu'il me jette. Il me dit, comme c'est ce que tu aimes, tu vas aller rejoindre tes copines. Et voilà. Et il faut dire que mes copines avaient loué une maison où elles vivaient dedans. Je suis allée direct là-bas. Elles m'ont bien accueillie. Au début, c'était bon, c'était bien truc. Je restais uniquement à la maison, je préparais. Elles sortaient les soirs, elles venaient à, je crois, 10h, elle sortait à 23h, minuit, elle revenait à 10h et elle ramenait beaucoup d'argent à la maison. Moi, elle me faisait des cadeaux, elle m'achetait des habits. Elles étaient 5. Et moi, plus moi, ça faisait 6. Moi, j'étais uniquement à la maison. Même un téléphone, elles m'ont offert un téléphone. J'étais uniquement à la maison. La best life, quoi. Et elles se sont concertées. Elles sont venues me voir. Du coup, toi, tu sors pas, tu fais rien. Et c'est nous, on rapporte de l'argent à la maison. C'est pas intéressant. Il faudrait que toi aussi, tu apprennes à sortir. J'ai dit que, oh, mais moi, je connais pas les hommes. Je n'ai jamais fait ça. Maintenant, je sors les soirs. C'est pourquoi? Puisque je m'y connais pas. Elles me disent que le soir, on va sortir ensemble. On va te montrer comment on fait. Et quand tu as une forte destinée ou quand tu es appelé à servir Dieu, à des trucs que Dieu ne permet pas. Je dis ok. Du coup, je suis une femme, je suis belle, j'ai un beau visage, un beau corps et tout. Une belle femme. Mais il faut dire que quand je sors avec eux les nuits, même les plus laides du groupe ont des clients avec qui elles vont dormir. Mais moi, je vais rester là jusqu'à tourner. Jusqu'à ce qu'elles toutes aient des clients. Elles rentrent. Et moi, je m'assois maintenant dans le bar. Elle revient le matin à 10h, 11h, elle vient me chercher, on rentre à la maison. Plusieurs fois, ceci s'est passé. Et elles se sont concertées, comme on dit, ah, pour toi, on ne comprend pas. On ne sait pas comment t'aider. On sort avec toi les soirs pour que tu puisses avoir ton propre argent. Pour que tu arrêtes les, je vais mettre une unité, donne-moi l'argent. Je vais payer ça, donne-moi l'argent. Je vais payer ça, donne-moi l'argent. Mais on veut t'aider aussi, on ne sait pas, ça ne marche pas. J'ai dit, ah, moi, mais je ne comprends pas. Elles m'ont dit, on va te donner une dernière chance. Le soir, on va sortir. On espère que là, au moins, ça va bien se passer. J'ai dit, ah, ok, on va voir. Et ce soir-là, elles sont allées jusqu'à à m'acheter des tissages, à me placer les cils, les ongles, bien me maquiller, me mettre dans une robe vraiment. Je n'étais vraiment pas à l'aise dans cette robe-là. Je dis, ok. On sort, on arrive. Quand les gens me voient, ils font « Waouh, tu es très belle. Merci, c'est tout. » On ne m'approche pas. « Waouh, tu es très belle. Merci, c'est tout. » On ne m'approche pas. Jusqu'à ce qu'elles aient, elles, toutes les clients et qu'elles rentrent. Et j'étais encore là avec ma meilleure amie qui est très belle, qui est hyper belle, qui est métiste. Et elle avait déjà eu plein de clients. Elle a fait les va-et-vient. Elle revient, avait assez d'argent. Elle me donne, j'attrape, elle fait les va-et-vient. Et dans le bar, dans l'école, on était assis, il y a un monsieur qui était là, un jeune qui était carrément beau, grand, avec de beaux yeux.
Elle me dit que je vois le gars là-bas. Je dis oui. Et du coup, le gars, je vais aller dormir avec lui. Je vais attraper mon sac et je reviens le lendemain matin te chercher et on rentre. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Vu que les autres étaient déjà partis, moi j'étais seule. Elle commande la boisson, elle me donne et elle s'en va voir le gars. Et à ma grande surprise, elle arrive et me dit ah, au moins pour une fois, tu as un client. J'ai dit oh, j'ai un client, comment? Elle me dit, tu vois le gars là-bas, j'ai dit, elle dit, il a appelé son ami. Il y a son ami qui vient, donc du coup, on sera deux. J'ai dit, mais tu sais que moi, je ne connais pas. Elle dit, mais tu ne connais pas, mais tu vas apprendre en même temps. Je stressais là, je n'étais vraiment pas bien, j'avais changé d'humeur. On est là, et le gars, il sort du bar, il appelle ma camarade, il lui dit, ah, tu as de l'argent sur toi? Elle dit, oui, j'ai de l'argent sur moi. Il dit, ok, j'ai commandé la nourriture, pizza, manaïche et tout. Quand le livreur vient, tu sors, tu vas payer. Tu sors, tu vas payer. Et moi, je suis là, je t'attends. Je paye avec ton argent. Du coup, moi, j'ai assez d'argent. Mais je ne peux pas faire sortir ça ici. Les gens risquent de me braquer. Et c'était vrai, il avait assis. Il avait un sac noir dans lequel il avait un sachet. Il y avait plein d'argent. Il dit qu'on risque de le brigander s'il enlevait l'argent devant les gens. Et chose qui était aussi vraie. Donc, c'était assez compréhensible. Ma copine dit qu'il n'y a pas de souci. Et il y avait un restaurant à côté du bar. Ma copine, elle va, elle commande les trucs, tout fait 30 000 francs. Elle achète, elle vient s'asseoir. Il y a plein d'Ivoiriens ici qui vont reconnaître le coin. C'était au centre commercial à l'époque. Voilà. Elle sort, elle va au restaurant, elle commande et tout, elle revient. On est là. Il est 1h, 2h, on doit rentrer, aller dormir. L'ami du gars arrive, on fait connaissance. On se lève, on va direction hôtel, on prend un taxi. On va dans un hôtel que moi, je ne connais pas. Ma copine nous y conduit, on arrive. Arrivé à l'accueil, le gars, du coup, il dit à ma copine, tu vas payer les deux chambres. Et moi, dès qu'on est dans la chambre, je te rembourse ton argent. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. On arrive. La chambre était 15 000 francs la nuit. Elle paye les deux nuits pour elle et moi. Du coup, on dit, désolé, il n'y a qu'une chambre disponible. J'étais tellement contente. La réception nous dit, ah, il n'y a pas deux chambres. Il n'y a qu'une chambre disponible. Et l'ami du gars, au fait, il me propose maintenant de le suivre chez lui à la maison. Je dis non, ce n'est pas possible. Je ne te connais pas. Ça aurait été ici, j'allais accepter. Mais chez toi, là, ça ne sera pas possible. On se discute, le gars, il se fâche, il rentre chez lui. Et l'autre gars qui est là, il dit à ma copine, mais là, on fait comment? Ta copine est avec nous. Ma copine dit, ça ne dérange pas, on peut aller avec elle. Si toi, ça ne te dérange pas, mais moi, ça ne me dérange pas. Le gars dit, ok, pas de souci, allons de toutes les façons. Les lumières seront éteintes et tout. Ma camarade m'explique. J'ai pas d'autre choix, il est 2h du matin. Je me retourne, oulala. Donc, on monte, on va dans la chambre. Et il faut dire que ce n'est pas une grande suite dans laquelle il y a un salon où je peux dire, je dors au salon, non. Il n'y a que le lit et la douche, c'est fini. Il n'y a que le lit et la douche, c'est fini. Donc, du coup, on rentre dans la chambre. On arrive. Ma copine, elle rentre, elle va se laver. Le gars la suit. Ils éteignent la lumière. Ils ont commencé à manger les nourritures qu'ils ont commandées. Et il y a ma copine qui me fait signer, m'écrit un message dans lequel elle me dit qu'elle va fermer la porte. Vu qu'elle était avec le monsieur pour pas parler, elle me dit qu'elle va fermer la porte et elle va me donner la clé. Je vais prendre la clé, je vais mettre ça dans le coussin et je vais me coucher dessus. Pour ne pas que le gars fuit parce qu'il nous doit beaucoup d'argent. Et encore, elle, il doit la payer 50 000 francs. J'ai dit, ok, chose faite, elle ferme la porte, elle me donne la clé, elle met dans le coussin, je me couche là-dessus. Moi, je dors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dors, je sentais le lit bouger. Bon, c'est en pleine action, je dors. On dort jusqu'à... Moi, je me réveille brusquement, il est 11h. J'ai dit, waouh, je réveille ma camarade. On se lève et le monsieur n'est pas là.
On touche la porte est fermée. On regarde dans la touche, il n'y a personne. Son sac plein d'argent avait disparu. Elle me dit, mais tu as mal dormi. Il a pris la clé là. Tu as mal dormi, il a pris la clé. Je dis non, le coussin était encore sous ma tête quand je me suis réveillée. Je me lève. J'ouvre le coussin. La clé est toujours dedans. On prend la clé, on ouvre la porte, on descend. On demande à une femme, la réceptionniste. On lui dit, ah, du coup, on était ici hier avec un gars. Il est ressorti et... Ah. Elle dit, non, on n'avait personne. Elle dit, hier, vous étiez deux ici. On dit, non. On était quatre avec deux hommes. Elle dit, non, c'est elle qui était là. Elle monte à 22h et elle descend à 15h. C'est elle qui était là, on était deux. Ma copine, elle revient et me dit, est-ce que la femme, elle n'était pas saoulée par hasard? On remonte dans la chambre, aucune trace du gars. On va à la maison. Il faut dire que, après ça, ma copine est tombée gravement malade. Et moi aussi. Moi, ce qui m'a sauvée est que ma maman a pris beaucoup. Et dès le lendemain matin, chose bizarre, ma maman qui a commencé à me chercher dans tout le quartier. Elle disait aux gens, ah, tu sais pas où ta camarade est, tu sais pas où ta camarade est. J'ai indiqué à ma mère où j'étais, elle est venue me chercher. Et après ça, ma camarade est tombée gravement malade. Elle s'est pas retrouvée après presque 2 à 3 mois dans la maladie. C'est la chose qui a permis aujourd'hui qu'elle change carrément. Parce qu'elle disait pour rien au monde elle allait changer. Mais ce qui s'est passé cette nuit a permis à changer, elle a carrément changé. Je vous dis que maintenant elle est mariée, elle va à l'église et tout. C'est juste pour vous dire que quand tu as une faute destinée ou quand tu as appelé à servir Dieu, il y a des choses que Dieu ne permet jamais. C'était mon histoire. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. J'espère que vous avez aimé l'histoire. Si vous avez aussi des histoires à raconter et que parfois vous avez peur de raconter sur WhatsApp, de peur qu'on reconnaisse vos voix, envoyez vos histoires et mentionnez en bas que vous aimeriez qu'on modifie la voix. Et on va modifier la voix, comme ça on ne va pas vous reconnaître. Donc envoyez vos histoires sur WhatsApp. Merci beaucoup.